tuto de le jeter, le tuto popote. Aujourd'hui, nous allons voir la tarte normande. Nous allons avoir besoin de 2 œufs, de sucre, de pommes, de crème et d'une pâte feuilletée. Nous allons avoir besoin d'une planche à découper, d'un économe, d'un fouet, d'un couteau, d'un saladier et d'un moule à quiche. Pour les pommes, je commence par les éplucher avec un économe. Ensuite, je les coupe en deux et je vide le centre et j'enlève le pédoncule et le restant de la fleur. Après avoir coupé les pommes en morceaux, nous allons pouvoir finir notre tarte normande. Donc, je dispose les pommes dans ma tarte. Alors moi j'ai coupé les pommes en 4 parce qu'elles étaient petites. Maintenant si vous avez des grosses pommes, vous pouvez les couper en 6 ou en 8. C'est pas un problème. Après si vous voulez les couper en petits morceaux, vous coupez en petits morceaux. C'est comme vous voulez. Ensuite, je vais faire mon appareil cuisine. Donc, je prends les 2 œufs. Que je vais mélanger avec le sucre. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute la crème. Je mélange bien ensemble. Et ensuite, je verse tout ça sur mes pommes. Il ne nous reste plus qu'à mettre au four. Et maintenant au four, que j'ai fait chauffer avant, environ 180 degrés, pendant 30 à 40 minutes.